Pas de problème, je... J'y serai dans 10 minutes, Maxi. Ouais, 10 minutes. Un instant. Oh, Charret ! Monsieur ! Es-tu sourd ? Monsieur ? Tu n'entends pas qu'on toque ? J'ai entendu. Regarde qui va là. Oui, monsieur. Ah, maman. Bienvenue. Mon fils. Maman. Ah, ah. Jacob. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Jacob. Donc on est déjà au niveau où je dois annoncer au monde entier que je viens voir mon fils. Ne te fâche pas, maman. C'est juste que je ne t'attendais pas, d'accord? Bienvenue, maman. Merci, bon, je suis ici. D'accord. Madame. Et madame, donnez-moi le sac. Donnez-le-moi. Bon après-midi. Allons à l'intérieur. Pendant notre causerie, je te présenterai cette fille. Quand je te l'ai dit, maman, je suis en train de sortir. J'ai un rendez-vous très important tout de suite. Dis-moi juste qui elle est. Ok. Si c'est ce que tu préfères. Pas de soucis, c'est bon. Elle s'appelle Ella. Oh, Ella. Et vu que ce morceau de bois que tu gardes chez toi ne peut pas me donner... Maman, s'il te plaît, pardon, je ne suis pas d'accord avec toi. Ne parle pas de ma femme de cette manière. Non, ne fais pas ça, c'est insultant, maman. Excuse-moi, Jacob, si elle n'est pas un morceau de bois. Alors, dis-moi ce qu'elle est. Depuis 6 ans, elle ne m'a donné aucun petit-fils. Et quand tu regardes la belle Ella que voici, tout à propos d'elle est très fertile. Ouais. Donc, de grâce, Eh bien, maman, comme je te l'ai dit, je fais un rendez-vous et j'espère que d'ici mon retour, tu ramèneras ce ballon d'où tu l'as prise, maman. Et c'est ce ballon qui va nous donner ce que ce morceau de bois n'arrive pas à nous donner. Amène ton ballon chez toi, maman. Va et reviens, je t'attends ici. Je ne veux pas l'avoir à mon retour, maman. Chérie, tu vas nous trouver ici. Viens, allons à l'intérieur, je connais mon fils. Moi? Je connais les hommes. Calme-toi, je connais mon fils. Calme-toi. Voici sa maison. Oh. Je ne panique pas, je sais de quoi je suis capable. Ce sera bientôt ta maison. Bonjour. Bienvenue, maman. Maman, tu es encore revenue. Oh, tu ne veux pas que je revienne dans la maison de mon fils? Non, maman, tu sais que tu es ici et chez toi. Qu'est-ce que toi, Chelsea, fais encore dans la maison de mon fils? Que fais-tu encore ici? Maman, tu sais que tu es toujours la bienvenue. Qui est cette fille là-bas? Comment oses-tu me poser une question aussi idiote et stupide? Maman, je t'ai déjà dit de quitter la maison de mon fils. Quitte la maison de mon fils parce que tu n'es pas une femme. C'est pour ça que j'ai amené cette magnifique Ella. Pour donner à mon fils et moi ce que tu es incapable de nous donner depuis 6 bonnes années. Et ton incapacité à le faire t'a valu le nom de... sorcière, tu ne fais rien d'autre dans la maison de mon fils que de t'asseoir et de manger son argent et sucer le sang de ses veines comme un vampire. C'est clair que je ne te laisserai pas tuer mon fils. Sorcière, morceau de bois stérile, assois-toi. Assois-toi et mange l'argent de mon fils. Et la chérie, sois la bienvenue, allons-y que je te montre ta chambre. On peut avoir les enfants, nous ne sommes pas stériles, va. Vas-y. Va tout droit. Ok, maman. Va tout droit au couloir. Ok. Ma chérie. Viens que je te montre ta chambre. Pourquoi fais-tu cette tête? Maman,
Honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé la façon dont ton fils a réagi envers moi. J'ai juste dû faire tout ce cinéma comme si ça ne me faisait rien. En son nom, ma fille, je suis vraiment, vraiment désolée pour ça. Pardonne-lui. Je n'attendais vraiment pas ça de lui. Eh bien, mais je te supplie d'oublier toutes ces petites contrariétés pour moi, s'il te plaît. Je sais comment je t'ai supplié. Je sais comment je t'ai supplié pour que tu viennes avec moi ici. Et je ne le prends pas pour acquis. N'eût été les bonnes relations que j'ai avec ta mère, ça n'aurait pas été possible. Donc de grâce, pardonne-lui, ok? Maman, je n'aimerais pas être traitée de briseuse de foyer. Non. Même si pour cela il faudra partager avec l'autre femme. La première femme, ok qu'elle soit, ça ne me dérange pas. Vraiment? Oui. Tu es un amour. Tu es une fille très gentille. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Pas de quoi. C'est très gentil de ta part. Tu es un ange. Merci, ma fille. Pas de quoi. Merci. Ne t'en fais pas. On d'accord, va tout régler. Maman. On va tout régler ça, ok? Viens avec moi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allez, parle-moi. Est-ce à cause de cette fille que mon père est né? Allez, ça ne devrait pas te perturber. Ella n'est pas mon problème. Maman m'a traité de sorcière. Elle m'a traité de stérile. Mais tu sais que tu n'es pas stérile. Chérie, de grâce, ne les écoute pas, ok? Écoute, tu sais que je t'aime pas, ouais. Et je serai toujours à tes côtés tout le temps. Ok? N'écoute pas. S'il te plaît, arrête. Je sais que tu m'aimes, mais crois-tu que l'amour suffit? C'est suffisant, oui, parce que Dieu va se souvenir de nous. Il nous bénira avec tes enfants. Quand il regardera, il verra l'amour que j'ai pour toi. Hein? Seigneur, arrête. Pitié. Je t'en prie, tu sais que je n'aime pas te voir dans ces cas. Regarde-moi. Je t'aime. Et je serai toujours à tes côtés dans tout ce que tu feras. Ok? Ok? Arrête, allez, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Jacob? Oui? Seigneur, où est-ce que tu vas? Maman, je fais un rendez-vous, je suis très pressé. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Je dois te parler un instant. Mon fils, je n'ai vraiment pas aimé la façon dont tu as parlé à cette fille. Je peux lui parler de la manière qu'il me plaît, maman. Je ne m'excuserai pas. Après tout, tu as insulté ma femme devant une parfaite inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te blâme pas. Vraiment? Parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait pour l'amener. Est-ce mon problème? Si tu sais comment je l'ai suppliée à maintes reprises pour qu'elle accepte de me suivre, tu n'aurais pas dit ça. T'ai-je demandé de m'amener une femme? Jacob, quel âge as-tu? C'est-à-dire? Je demande parce que je veux savoir. Quel âge? Si tu t'en rappelles, quel âge as-tu? C'est quel genre de question ça? Pourquoi tu demandes mon âge? Je demande parce que tu sembles avoir oublié que tu ne rajeunis pas du tout, et moi non plus. Aïe, Jacob, je t'en supplie. Épouse Ella
et donne-moi des petits-enfants. Je t'en supplie. C'est une bonne fille avec le temps. Je suis sûre que tu vas mieux la connaître. S'il te plaît. Maman, je ne peux pas rester ici à t'écouter me convaincre d'épouser une autre femme. Je t'ai dit plusieurs fois et j'ai été clair avec toi que j'aime ma femme. Et je ne suis pas prêt de prendre une autre femme. Écoute, Dieu va nous bénir. Ma femme arrête et moi, ça. Et nous donner Jacob, des enfants. Arrête, s'il te plaît. Bon, reste là, maman. S'il te plaît, Jacob. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Épouse-la. Encharré. Monsieur. Encharré. Monsieur. Ouvre le portail. Qu'est-ce qui arrive, d'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me défier. Jacob, tu sais que je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu entres en Ella et me donnes des petits-enfants. Jacob, tu t'en vas, hein? On est là, on t'attend. Chelsea? Maman, tu me cherchais? Oui, je te cherchais. Maman, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Chelsea, s'il te plaît, je viens en paix. Oui, et je veux savoir ce que j'ai fait de mal. Rien du tout. Tu n'as rien fait de mal. T'ai-je fait quelque chose de mal? Non, maman. Alors, pourquoi as-tu jeté un mauvais sort à mon fils? Pourquoi, Chelsea, pour la première fois, depuis que je connais mon fils, il m'a tourné le dos. Pour la première fois, mon fils m'a tourné le dos. Maman, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Pardon, Chelsea. Je t'en supplie. Libère mon fils. Libère-le, pour l'amour de Dieu. Mais maman, je ne lui ai pas... Tais-toi. Je veux que mon fils épouse la jolie jeune fille que je lui ai ramenée. Pour que je puisse avoir des petits-enfants. Maman, ce que tu fais est mal. Ce que tu fais est mal. C'est mal, je ne vais pas... Je t'ai dit de fermer ta gueule. Ferme ta gueule. Ne parle pas quand je parle. Tu ne peux pas me donner de petits-fils. Encore moins de petite fille, tu ne peux pas. Depuis 6 ans. Chelsea, qu'as-tu fait? 6 années signifie 2, 3, 4 petits-enfants que tu as mangés. Non, maman, je n'ai pas... Je t'ai dit de te taire. Tu ne peux pas me donner de petits-enfants dans cet utérus vide. Et tu ne veux pas que mon fils se case et épouse la jolie fille que je lui ai ramenée. Chelsea... Ce ne sera pas pareil. La prochaine fois que je viendrai te voir. Ça, c'est si tu es encore dans cette maison. Tu regretteras vraiment d'être née. Quitte la maison de mon fils. Va-t'en avec ton utérus vide. Mangeuse de bébé. Tu as mangé tous mes petits-enfants. Tu les as tous mangés. Tu les as dévorés avec ta bouche. Et tu suces le sang de mon fils par ses veines. Vampire. Un gros morceau de bois. Belle de la tête aux pieds, mais vide. Une coque vide. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pitié, Seigneur. Seigneur, pitié. Seigneur, ce n'est pas de ma faute. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Donne-moi un enfant, même si c'est un seul. Thank you.
L'instant est là. Il y a un truc que je veux te demander. Et je veux que tu me dises la vérité. De grâce, ne me mens pas. Ok. Je promets de ne pas te mentir. Bien. Et ce dont je veux te demander, je ne veux pas que tu en discutes avec ma mère. Ok, frérot. Hey, m'appelle pas frérot. Nous ne sommes aucunement parentés. Donc ne m'appelle pas comme ça. Ok. Bien. Ce que tu fais là, es-tu à l'aise de le faire? Je veux dire, venir arracher le foyer d'une autre femme. Tu es vraiment à l'aise avec ou bien c'est ma mère qui te pousse à le faire? Ok, frère Jacques. Je t'ai dit de ne plus m'appeler frère! Ne m'appelle pas comme ça! Es-tu ma sœur? Je suis désolée. C'est pas comme si je suis contente d'arracher le foyer d'une autre femme. C'est juste que j'ai pitié de maman. Elle m'a supplié de lui donner un petit-fils. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui te donne l'impression que si je couche avec toi maintenant, tu me donneras un enfant? Dans ma famille, nous sommes 11. Regarde-moi. Les enfants se voient partout sur moi. Un coup. Je te donnerai des enfants, même des jours. Donc, si je couche avec toi maintenant, j'aurai un enfant? Allons-y. Non, 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 attends. Donc, si je dis entrons, maintenant et faisons-le, bam, j'aurai un enfant? Ne me teste pas, oh. Ah. Un coup même. Même un quart de coup. Demi-coup. Je te donnerai des quadrupèdes. Ah. Oui. Ok, allons-y maintenant. Hey, hey! Allez où? T'es stupide? Tu sais ce que t'es? Tu n'es qu'une sale! Une sale vulgaire prostituée! Oh. Ah oui! Tu laisses ta maison pour venir dans le foyer d'une autre femme! Et tu veux faire des bébés! Machine à faire des bébés! Maintenant écoute-moi! Je ne veux jamais te voir près de moi dans cette maison! Je ne veux pas te voir dans quoi que ce soit qui me concerne! La seule raison pour laquelle je t'ai pas encore jeté dehors de cette maison, c'est parce que maman m'a menacé que si je te jette dehors, elle ne viendra plus chez moi! Donc, gagnons-t-on avant qu'elle ne revienne et je pourrais lui expliquer les raisons pour lesquelles elle devrait te ramener là où elle t'a ramassé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai compris. Dans l'intérêt. Allez, dégage. N'importe quoi. Ha! Regardez-moi celui-là. Est-ce moi qui t'ai demandé d'avoir une femme stérile comme épouse, moi? Dans ma famille, nous sommes 11. Je t'en donnerai 12. Tu mens, tout ce que tu racontes ne m'affecte pas. Je te donnerai des enfants. Ne te dérange même pas. Bébé. Ne m'appelle pas. Non. Que se passe-t-il? Hein? Ce qui se passe, c'est que je te quitte pour de bon. Pourquoi? Oui, tu sais pourquoi. J'ignore la raison. Parce que je t'ai entendu dire à cette fille de te donner un enfant. Chérie, s'il te plaît, tu es mon épouse. Tu es ma femme. Et tu sais que je ne pourrai jamais te quitter pour une autre personne. Ok? Je t'aime tellement et tu es ma femme. Je sais que tu m'aimes. Mais écoute, tu peux faire ce que tu as planifié. Je ne peux pas faire ça. Chérie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas me faire ça, bébé. Tu ne peux pas, crois-moi. Je suis désolée de te décevoir. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus faire ça. Fais tout ce que tu veux. Je m'en vais. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Thank you.
Attends, je vais faire pipi. Laisse-moi faire pipi aux toilettes. On y est presque. Attends. Attends un peu, non? Je veux... Tu veux faire pipi? Oui, laisse-moi pisser ici. Non, attends. Attends un peu. Attends, doucement, par là. Viens, par là. Je veux pisser. Mais attends. Je veux me coucher. Attends, tu vas t'allonger. Je veux dormir. Attends. Hein? Par là. Doucement. J'ai le tournis. Je vois plein d'étoiles. La maison tourne. J'ai le tournis. La maison tourne. J'ai le tournis. Le tournis. Hey. La maison tourne. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Garde ça pour toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu y es rentré hier soir très ivre et tu m'as tiré dans la chambre. J'ai fait quoi? Tu m'as tiré dans ta chambre en disant que cette sorcière est enfin partie. Tais-toi! Espèce de menteuse! Tu t'es faufilée dans ma chambre! S'il y avait des caméras dans cette chambre, tu l'aurais vu, tu m'as tiré dans ta chambre. Attends. On l'a fait. Tu criais, tu disais... Hey, elle a tué le trombone et tout le reste. Tais-toi, la ferme. Attends, j'étais en Rwanda. Tu y étais sur moi. Tu m'avais tourné par derrière, me prendre dans toutes les positions. Tu m'as fait ça dur, mais tu es vraiment fort. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai vu? 4 fois. Dégage! Fous le camp! Dégage! Mais tu criais, tu me tournais comme ça. Elle a dégage! Fait l'amour. Elle a fait mal à mort. Fous le camp! Elle a, donne-moi sa force. Attends, j'ai oublié mon téléphone. Prends! Tu as un bon coup de rein. Sorcière! Maudite! Que tu épuises ta descendance! Thank you.
Comment oses-tu? Que fais-tu ici? Je viens en paix. Je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. Je... S'il te plaît, peux-tu me dire pourquoi tu es ici? Ok, bien, ok. Je suis désolée, je comprends ce que tu ressens. Je veux juste te dire que tu devrais garder ton calme dans tout ça. Écoute, c'est maman qui m'a suppliée de faire ça. Tu es une femme comme moi. Maman m'a suppliée à cause de son amie qui s'avère être ma mère. Je suis désolée, ne te méprends pas. Je ne suis pas là pour causer de toi. Eh oh! Tu t'entends même parler? Tu as atterri dans ma maison pour détruire mon foyer en me piquant mon mari. Et tu es là pour me dire ou tu es là pour justifier ta stupidité? Tu es cinglée ou quoi? Mais tu te fous de moi? Que viens-tu juste dire? Oui, tu es là juste pour justifier tes actes stupides. Genre, bien sûr que tu es stupide. Tu es folle. Si tu n'étais pas cinglée, tu aurais donné un enfant à ton mari. Regardez cette stupide femme avec laquelle je voulais être amie. Et tu es là. Regarde-toi. Tu veux bousiller l'argent de Jacob. N'as-tu pas honte de toi? Qu'as-tu fait en 6 ans? Est-ce parce que tu ne sais pas ouvrir tes jambes? En 6 ans, tu ne peux pas donner un enfant à un homme. Tu devrais avoir honte de toi. Grâce, je n'ai pas besoin de me dire que vas-tu faire dans la maison de ton mari. Je vais te battre, je vais te tuer ici. Je suis sûre que tu as tué tous les enfants. Ma chère, de ton ventre, regarde la maison de ton mari. Et non ici pour voler le mari. Je suis dans la maison de mon mari. Ton cerveau est trop vide. Regarde-la. Tu n'as qu'une gamine pour y gâter. Tu ne peux rien me faire. De grâce, tu peux appuyer loin de ton père. Tu es dans la maison de ton mari. Qu'est-ce que tu y as pour le prouver? Tu t'éloignes, pétain. Une preuve? Une preuve? Tu n'es pas une fausse couche. Tu n'es pas une fausse couche. Et qu'est-ce qui prouve que t'es une femme? Dégage. T'es une sorcière stérile. Une sorcière stérile. Écoute, nous sommes dans cette maison. Je vais donner à ton mari, selon toi, 12 enfants. Je lui donnerai une douzaine. Je lui donnerai une douzaine. Tu n'iras nulle part. Tu seras là. Tu verras de toi-même. Regarde-toi. Regarde-toi. Vieille sorcière. Dieu. Jean-Peste? Maman m'avait dit que tu es une truie, une puyante. Ah, si j'étais une truie, maman n'aurait pas accepté que j'épouse son fils, d'accord? Oui. Voilà pourquoi tu n'as pas un enfant. Regarde-toi, femme inutile. Femme inutile. Et va te marier. Idiote. Au lieu de vouloir arracher le mari. Ne t'en fais pas. Fais-le. Sorcière stérile. Fais-le. N'importe quoi. Ce bébé éléphant. Stérile. Peux-tu offrir d'autres? Idiote. Je hais cette pute. Je ne te blâme pas du tout, je blâme Jacob. Qui va là? Ouvre le portail! Qui est-ce? Chocho? Hé! Hey. Vous voulez casser ce portail? Pardon, ouvre le portail! Hey. Ah, jolie fille! Comment ça va? Qu'est-ce que vous cherchez? Pardon, laisse-moi passer! Attendez, attendez! Qui cherchez-vous? Laisse-moi l'appeler, ma sœur. Votre sœur? Vous êtes canon. S'il te plaît, boucle-la. Laisse-moi appeler ma sœur. Allô, sœurette? Je suis au portail. Laissez-moi prendre ça. D'accord. Votre sœur vit dans cette maison?
ma chérie. Ma chérie. Tu as l'air tellement jolie. Waouh. Tu es toute rayonnante. Attends. Vous la connaissez, madame? Allez, on va entrer à la maison. T'en fais pas, laisse-moi la porte. Non. T'en fais pas, je vais le faire. Sinon, comment tu vas? Je peux le T'inquiète voir. T'inquiète pas, je peux le faire. Oui. Ah, merci, c'est gentil. Comment était le voyage? C'était chouette. D'accord. De ce côté. Ça va? Oh, tu te mets trop de pression. T'en fais pas, je vais bien. Merci beaucoup. Ok. Tu vois, je voulais qu'on discute ici avant d'aller à l'intérieur. D'accord. La raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu t'occupes de... Ouais, je sais. Tu t'occuperas de la maison. Tu t'assures que tout soit en ordre. Okay. Je te fais confiance. Bien sûr. Alors, ma belle-mère et moi irons à l'hôpital. Mmh. Oui, tu sais bien. Tu sais pourquoi. Mais pourquoi aujourd'hui, toute non? La maison entière pour toi, ça. Ok. Tout est déjà à l'intérieur. Tout ce que tu auras à faire, c'est de prendre soin de la maison et tout. Sans souci. Et mon chéri Jacob, c'est un amour. Mmh. C'est un sucre. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il m'aime plus que ce que je n'espérais. Waouh, vraiment? Ouais. Ne t'en fais pas, tu le verras, tu l'aimeras beaucoup. C'est un homme généreux, il est vraiment gentil. Tu es sûre? Oh oui, c'est un homme bien. Ok, oh. Alors, allons-y. D'accord, ne t'en fais pas, tu ne fais pas stresser, mon bébé. T'en fais pas. À cause du bébé, je vais te laisser. Alors, allons-y. D'accord. Oh, charré. Où est-ce qu'il est passé? Oh, charré. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Oh, charré. Maman! Ne crie pas, s'il te plaît. Tu sors, maman? Non, je pars à l'intérieur. J'espère que tout va bien. Écoute, ma fille, viens. Oh, charré. Maman. Elle, c'est la petite sœur de madame. D'accord. C'est elle qui va prendre soin de madame et de tout ce qui concerne, madame. Je ne veux plus que ma fille fasse quoi que ce soit, tu vois bien son état. Oui, maman. Je veux qu'elle reste en santé. Pas de problème. On va à l'hôpital. C'est compris, maman. Quand mon fils va rentrer, elle va s'occuper de lui. D'accord. Ok? D'accord. S'il te plaît, cuisine et mets le repas sur la table avant que mon fils ne rentre. D'accord, maman. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas, maman, je prendrai bien soin d'elle, je vais la protéger. Dégage, retourne chez toi. Je t'ai dit de t'occuper de qui? T'ai-je demandé de t'occuper d'elle? Désolée, madame. Désolée, mon œil. Tu d'accord, maman. Je sais. Prenez soin de vous. D'accord, bye. Ok. Ah, maman, elle s'en va? Non, elle arrive. Ce gars est trop stupide. Ouvre le portail, petit fou. Maman, au revoir.
Monsieur? Oui. Bienvenue, monsieur. Merci, qu'y a-t-il? Ah, monsieur, il y a quelque chose que je veux vous dire. Il y a une belle fille qui est arrivée ici aujourd'hui. Une belle fille. Ok, je n'ai pas le temps pour monsieur, ça. Monsieur, je suis sérieux quand je vous dis que je suis vraiment sérieux. Cette fille, apparemment, c'est la petite sœur de madame. C'est ce que je voulais vous dire. Où est madame? Elles sont allées à l'hôpital. Oui, vraiment? Elles sont dans l'hôpital. Comment a-t-elle même fait pour rencontrer un homme pareil, hein? Et elle a le toupet de me demander de venir l'aider. Ah, en tout cas, je vais l'aider. Elle va voir de ses yeux. Quelle idiote. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Je m'appelle Stella. Stella? Oh, la petite sœur d'Emmanuela, j'imagine. Ouais, mais pas biologique. Vraiment? Qu'entendez-vous par pas biologique? J'ai été adoptée par sa mère. Oh! Oui. Oh, super. Avez-vous mangé quelque chose? Oui, déjà. Je vais vite vous servir à manger. Oh, vraiment? Allez-y. Ok, attends, donne-moi juste 2 minutes. Allô? Qu'est-ce que tu as dit? Combien de fois dois-je verser la poudre? Une fois? T'es sûr qu'avec ça, elle sera excitée? Ok. D'accord, d'accord. Je ferai comme tu as dit. Merci. À manger. Oh, merci. De rien. Oh. J'espère que vous aimez. Oui, bien sûr. C'est quoi votre nom? Stella. Stella. Mm-hmm. Je pense que vous devriez aller vous reposer, n'est-ce pas? Vous venez d'arriver. Ne vous inquiétez pas, je peux me débrouiller tout seul. Ok, je le ferai. Ouais. Vous n'avez pas d'eau ici. Je vais vite vous chercher une bouteille. Ensuite, je pourrai souffler. Entendu. D'accord. Ouais.
votre eau. Merci. De rien. D'accord. Je vais aller me reposer à présent. Merci. Ok, régale-toi. Qu'est-ce qui se passe? Jolie chambre. Pourquoi je ressens cette envie tout à coup? C'est mieux que j'aille dans ma chambre éteindre tout ça. Pourquoi je me sens excité? Pourquoi? Que faites-vous ici? Je fais mon boulot. Assister ma sœur dans les tâches domestiques. Il y a quelque chose de mal à ça? Ok, merci beaucoup. Vous pouvez partir. Je peux voir que vous avez besoin d'aide. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Allez-vous en, partez maintenant. Vous avez besoin d'aide et ma sœur n'est pas là. Écoute très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne puisse même savoir ce qui s'est passé en vérité. Mais la seule chose que je sais, c'est que je vais te tuer. Je vais t'égorger vivante. Si jamais tu ouvres ta bouche pour parler de ce qui s'est passé entre nous... Mais on a baisé. Tais-toi! Ah, t'es malade? J'essayais juste de t'aider. Ah! Tu es en érection. T'ai-je demandé de l'aide? Mais tu es en érection. J'ai ton érection. Et alors? Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner une grosse somme d'argent qui sera suffisante pour toi, pour que tu gardes la bouche fermée. Est-ce clair? Si après t'avoir donné de l'argent, tu ouvres ta bouche et parles de ça, considère-toi comme une candidate pour la morgue. Mmh. Oui. Et de combien parle-t-on? Et pourquoi tu demandes? Je vais te donner assez d'argent pour m'assurer que tu gardes le silence pour le reste de ta vie. Je vais te donner une somme d'argent que tu n'as jamais touchée de toute ta vie. Je vais te donner une somme d'argent qui va améliorer ta vie. Je vais te donner assez d'argent. Es-tu sûr? Pourquoi cette question? Non, n'ai-je pas le droit? Ah, comme on a baisé, je suis ton égal, n'est-ce pas? Je ne te blâme pas. Je t'enverrai mon numéro de compte. Rassure-toi d'envoyer ça. Sinon, on va continuer à baiser tout le monde dans cette maison sur le courant. Très bien. Vas m'épouser par force.
que c'est que ça? Cho, mais c'est quoi ça? Cho? Allez! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? C'est qu'on est... Regarde, regarde la mère qui t'a foutu partout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Ah d'accord, tu es malade. Ah! Moi, il faudrait que tu prennes un balai pour balayer tout ça, mais c'est quoi ça? Tu sais pas que j'ai balayé cet endroit? Tu vas fermer ta bouche? C'est quoi? Tu dis à qui de la fermer? Qu'est-ce que tu as mangé? J'ignore si c'est une grenouille ou une chèvre que tu as mangé. Et c'est ce que tu veux me foutre ta mère. Mais qu'est-ce que je n'aime pas ce genre de choses. Prends le balai, balai cet endroit. Écoute, je n'aime pas ça. Ah, mais c'est quoi cette merde? C'est sur moi que tu cries comme ça. S'il te plaît, prends un balai, balai-moi cette saleté. Je n'aime pas ce genre de choses. Un balai, tout ça. Je n'ai pas la force de te répondre là maintenant. Ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Seigneur Jésus. Oh, Charré. Madame. Je t'ai entendu crier sur quelqu'un. Qui était-ce? C'est votre sœur. Elle a laissé toute la cour arrière jusqu'ici pour venir vomir ici. Pourtant, j'ai nettoyé tout cet endroit ce matin. Elle a trouvé nécessaire de venir vomir ici. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Donc, elle a vomi où? À cet endroit. Elle est venue de là-bas pour venir vomir ici. Qu'a-t-elle mangé? Je ne sais pas. Écoutez, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle n'avait pas mon temps. Et qu'elle est très fatiguée. Je n'ai absolument rien compris de son manège. Tu es sûr que tu ne lui as rien donné à manger parce que je connais ma sœur, elle adore manger. Non, non, madame, du tout. Je ne lui ai pas donné la nourriture. Je ne lui ai rien donné du tout. Rien du tout. Elle est venue de la batterie et elle a carrément... Elle s'est mise à vomir ici. A-t-elle fait le sport du matin? Le sport du matin? Ah non, on n'a pas traversé le portail depuis ce matin. Je suis là depuis, elle n'est pas sortie depuis le matin. Elle à l'intérieur. Donc, que peut-il être le problème? Je sais pas, je lui ai posé la question, elle m'a juste dit qu'elle était fatiguée. Et qu'elle n'a pas du tout mon temps. Et quand elle a fini de vomir, elle est partie. Par où est-elle passée? Là-bas derrière, elle est partie là-bas derrière. Je sais pas ce qu'elle a fait. Après. Retourne travailler. D'accord, madame. Stella. 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 Sœurette, bon après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne sais pas. Je me sens faible depuis le matin. Je vomis depuis. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Sœurette, c'est quoi, non? Hein? Ah. Ferme-moi cette bouche. Qu'as-tu mangé? Sœurette, je ne sais pas. Tu sais que je mange tout le temps, hein? Je ne sais vraiment pas ce que j'ai mangé qui puisse me déranger. Je ne sais pas. Est-ce cette nourriture? Ou celle-ci? C'est la nourriture que j'ai mangée, non? Ah! Quand était la dernière fois que tu as vu tes règles? Mes règles? Je n'ai pas vu mes dernières règles. Enceinte? Comment? Attends. Hé, hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est l'auteur de cette grossesse? Qui t'a fait ça? Je ne sais pas, suis-je enceinte? Ok, je vois. Donc, c'est le gardien qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Dieu m'en préserve, serait-ce le gardien? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Alors, qui d'autre a pu te faire ça? Est-ce le boutiquier où tu vas souvent acheter des choses? Ah, serait-ce?
Je ne peux pas faire ça, non. Hey, alors, qui est responsable de ça? Qui est-ce? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hey, Stella, qui est responsable? Hey, viens là, tu vas me dire qui est-ce qui t'a grossi tout de suite. Viens là, marche. Mon fils. Oui, maman. Jacob, j'ai tellement hâte de voir mon petit-fils. De porter ma boule de joie dans mes bras. C'est ce que je te dis depuis. Tu as vu ça? Je ressens la même chose, maman, mais honnêtement parlant, j'aurais été plus heureux si c'était ma femme qui était enceinte. Mais ce n'est pas elle. Parce que cette grossesse a apporté trop de controverses, maman. Il n'y a pas de controverses. Je me fiche des controverses. Le plus important, c'est que un bébé arrive dans ma famille. Emmanuel a été en sac à problème. Maman, elle ne cesse de jacasser à chaque instant de la journée. Mais voyons. Mais elle apporte quelque chose que personne n'a pu nous donner. Oui. Donc avec ça, tu peux oublier les autres choses. Maman, t'en fais pas, ma femme n'est pas stérile, ok? Ma femme, je crois qu'elle ne l'est pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est bien ce que tu as dit. Quel est un morceau de bois? Je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Avance, laisse-moi, non? J'ai dit avance. Tu te fais mal. Oh, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est stupide, fille. Assieds-toi. Dépêche-toi. Regarde cette pimbèche que j'ai emmenée en ville. Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est enceinte. Seigneur, Seigneur. Ma chérie, es-tu enceinte? Qui est l'auteur de cette grossesse? Ma chérie, calme-toi. Tu connais ton état. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à mon petit-fils, s'il te plaît. Calme-toi. Laisse-moi lui parler. Madame, qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-être que c'est le portier. Elle devrait donc aller chez le gardien et l'épouser une fois. Ah, Stella, vas-tu parler? Qui t'a fait ça? Parle! Tu es muette? Parle! Qui l'a fait? Je ne comprends rien là. Tu ne veux pas parler? Qui est responsable de ta grossesse? Réponds. C'est lui. Qu'est-ce qu'elle pointe? Jacob. C'est qui Jacob? Hey. Qui? Quel Jacob? Qui est responsable? C'est Jacob. Jay? Qu'est-ce que c'est que Jay? Mon mari ne peut pas faire une telle chose. Ce n'est pas possible. Bébé! Jacob, tu vois ce que tu as fait? Maman! Jacob a fait quoi? Ce n'est pas vrai! C'est bon, calme-toi ma fille. Je ne veux pas, je ne veux pas me précipiter. On va régler tout ça. On verra quoi faire. Comment est-ce arrivé? Tu vas parler! Non, dis-moi la vérité! Je ne veux pas perdre cet enfant. C'est toujours mon petit-fils là-dedans, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous ne sommes pas sûrs! Qui l'a amené? Ça va aller, c'est ta sœur. Chelsea! 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 S'il te plaît, s'il te plaît! Je t'en supplie, Chelsea. Écoute, je ne savais pas. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis désolé pour tout. S'il te plaît. Tu es désolé pour tout? Oui. Comment comprendre tout ça? Je connaissais Ella, ma maintenant sa petite sœur. Tu as deux femmes enceintes de toi. Comment? C'est ça le problème, je ne sais pas comment tout cela est arrivé. Je ne sais pas comment tout ça est arrivé. Oui! Parce que tu ne peux pas contrôler le truc qui est entre tes jambes. En fait, je suis revenue pour t'annoncer la bonne nouvelle, mais maintenant, je ne sais même pas si je dois le dire. Quelle bonne nouvelle? Je suis venue te dire que je suis enceinte. Seigneur, tu es sérieuse? Quelle bonne nouvelle! Hey, bébé, je suis désolée. Honnêtement, je ne sais pas comment tout s'est arrivé. Ne dis pas que tu ne sais pas comment deux sœurs de même parent peuvent être enceintes de toi. Crois-moi quand je te dis que je suis désolée. Je ne sais même pas. Je ne sais pas quoi comprendre maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée, je t'assure, je suis désolée. Deux filles de même parent enceintes de toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Je ne sais pas. Bébé, je t'en prie. Pardon, ne me quitte pas, je suis désolé. Je t'en prie, ne pars pas, je t'en prie. Ah.
Bébé. Oui, mon amour. Comptes-tu faire d'elle? Hein? Dis-moi la vérité, est-ce que tu vas les épouser? Non, tu es la seule à qui je suis mariée. Que va ton père alors? Qu'est-ce qui retient Stella? Qu'est-ce qui retient Stella? Où est-elle? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu mets autant de temps pour répondre à mon appel? Je suis désolée. J'étais aux toilettes quand tu as appelé. Maman, j'ai convoqué cette réunion spécialement à cause de toi. Tu as dit que tu voulais un petit-fils. Maintenant, on a des petits-fils. Regarde-les. Je t'ai supplié plusieurs fois de nous laisser, ma femme et moi, rester tels qu'on est. Et que Dieu, qui donne des enfants, nous répondra. Quand il voudra. Tu ne nous as pas laissé respirer. Tu étais tellement impatiente d'amener une autre. Tu voulais tellement amener une autre femme. Maintenant, regarde les conséquences de tes actes. Je voulais juste te dire que je suis fatigué de tous ces drames. Tu vois ce qui se passe dans cette maison? Quand tu partiras, pardon, pars avec elle parce que tu vois ma femme. Je l'aime tellement et je ne suis pas prêt d'épouser une deuxième femme. Quand tu vas partir, de grâce, amène-les, ce sont tes femmes. Et voici la mienne. C'est faux. Je n'irai nulle part. Maman ne m'a pas mise enceinte, c'est toi. Vas-tu fermer ta sale gueule? Je t'ai emmenée dans cette maison pour m'assister et non pour tomber enceinte. N'importe quoi. Jacob. Maman. Je n'aurais jamais ramené une autre femme. C'est ta femme que voici nous avait donné un petit enfant. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Tu les as toutes mises enceintes, pas moi. Et toutes les trois portent mes petits-fils. S'il te plaît, tu es un homme. Nourris très bien mes petits-fils. Et pour rien au monde, il ne doit leur arriver quoi que ce soit. À moins que tu ne veuilles ma mort avant mon temps. À la première heure demain, je partirai pour le village. Occupe-toi de ton foyer et occupe-toi de mes petits-fils. Quand tu partiras demain à la première heure, père Abigail, amène-les. Je t'ai déjà parlé. Moi, je ne vais nulle part. Stella, hein? Je dois te parler. D'accord. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi es-tu tombée enceinte de Jacob? Serait-ce, ce n'est pas de ma faute. Ce jour, il s'est jeté sur moi. Ce fameux jour, il m'avait pris par force. J'ai essayé de le résister, mais je n'ai pas pu. Il t'avait pris par force. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais le faire, mais il m'a supplié de ne pas parler. Il a dit qu'il me donnerait une grosse somme d'argent.
Et j'avais besoin de cet argent. Je te donnerai le double de ce qu'il t'a promis. Si tu avortes. Hein? Que je fasse quoi? Je t'ai dit de l'avorter. Ah, je ne peux pas, oh. Je ne peux pas avorter de ce bébé. Je suis trop jeune pour être une meurtrière. Ah, tu veux que je tue ce bébé innocent? Ah, je ne peux pas. Serait, je suis désolée. J'ai dit que j'allais te donner le double de ce qu'il t'a promis. Je sais, mais j'ai appris que c'est très douloureux. Je ne peux pas endurer cette douleur. Essayes-tu de me dire que tu vas garder ce bébé? Oui, je vais le garder. Donc, tu veux salir mon image? Serait, ce n'est pas de ma faute, hein? Tu sais que je t'aime. Ce n'est pas ma faute. Avorte ce bébé. Oh, moi je ne peux pas avorter, oh. Je ne peux pas être une meurtrière à mon jeune âge. C'est un péché. Tu entendras parler de moi, péché. Entendre quoi? Tu es enceinte, dont je suis aussi tombée enceinte? Qui t'a demandé d'avorter du tien? Que j'avorte du mien. Et pourquoi? Qui est-ce? Entrez. Maman? Oui, ma fille. Pourquoi cette visite? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Je voulais juste savoir comment toi et mon petit-fils vous allez. Comme tu peux le voir, on se porte bien. Merci. Chelsea, mon adorable fille, je suis vraiment désolée pour toute la peine que je t'ai causée et le stress que je t'ai fait endurer. Pour tout le mal que j'ai pu te faire, je suis désolée. C'est juste le cœur blessé d'une mère pleurant pour son enfant. Je suis désolée. Pitié, pardonne-moi. Maman, c'est bon. Tu en es sûre? Je suis très sûre. Ah, ma fille, je ne t'ai jamais détestée. Je ne te hais pas. Si c'était le cas, je n'aurais jamais accepté que mon fils t'amène dès le départ. Mais dès le premier jour qu'il t'a présenté à moi, je t'ai accueilli. Maintenant, je vais bien. Tu portes mon petit-fils et ça me rend heureuse. Je suis désolée, mon enfant. C'est bon, maman. Ça va. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup, mon enfant. Oui, de rien. Je suis si heureuse. Je le suis plus encore. Merci, maman. Sois juste forte, ok? Tout ira bien. Amen. Merci, maman. Je retourne dans ma chambre. D'accord, maman. Bonne fille. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Ah, hein? Le bébé. Où ça? Le bébé.
Mes reins. Où ça? Mes reins. Oh, ici. Désolé. Oui. Désolé. Ça va mieux. Hein? Désolé. Ah, ou encore. Oui. Ici. Désolé. Désolé. Merci. Ça va maintenant? Merci beaucoup. Je peux y aller? Que je vous ai dit, n'est-ce pas? Si pareille chose se répète encore, crois-moi, ce sera le dernier jour que vous mettrez les pieds dans cette maison. Je ne mâche pas mes mots, je pense vraiment ce que je dis. Est-ce que c'est clair? Je suis désolée. Très bien. Je suis vraiment désolée. Qu'y a-t-il encore? Chérie, Chérie... Mais parle, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'argent. D'argent? Pourquoi encore? Où est passé ce que je t'ai donné? L'argent que tu m'as donné est fini. Je l'ai utilisé pour m'acheter de nouveaux vêtements. Attends, tu veux ouvrir une boutique? Je crois que la dernière fois que je t'ai remis de l'argent, tu as acheté des vêtements. Je t'en ai encore donné, tu as acheté des vêtements. Pourquoi tu fais tout ça? Je dois être belle pour toi. Oh, vraiment? Oui. Pardon? Non, pardon? Ne sais-tu pas que l'argent est très difficile à avoir? Hein? Je m'occupe de trois femmes, ça ne veut rien dire! Je veux l'argent! Tu veux l'argent? Je veux l'argent! Et c'est quoi? Ferme ta bouche! Nya, 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 nya. Je veux l'argent! Je veux l'argent! Hey! Si j'entends bim! Si j'entends bim! Hein? Je vais déchirer ton ventre! J'espère que tu ne seras pas avare avec mon bébé, hein? Tu vois mon bébé, tu vois mon prince quand il va naître. Il doit porter des vêtements de marque. Il doit porter Dior. Il doit porter Gucci. Il doit porter Versace. Et plusieurs encore. Peux-tu écrire ce que tu dis là? Avais-tu ça dans la maison de ton père? J'espère qu'il n'aura pas... Non, portais-tu ça chez ton père? N'importe quoi. N'est-ce pas tu es dangoté? Espèce de grosse folle. Ah, je veux l'argent. Hé, hey, tais-toi, tais-toi. Je te parle d'argent et je fais du bruit. Mais j'aurai bientôt un garçon. Et alors? Alors? Es-tu la première à l'avoir? Est-ce bébé Jésus que tu portes? C'est un prince. Ah ah! Prince de quel village? N'importe quoi. Je veux l'argent! Je veux l'argent! Tais-toi, ferme ça! Ferme ça! Tais-toi! Mon bébé! Je veux l'argent! Je veux l'argent! Bébé, qu'est-ce que c'était? Personne, chérie. C'était personne. Bébé, c'est quoi cette odeur? Tu as mis du parfum? Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Quoi? Ton parfum! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Oh, désolé, désolé, désolé. Désolé, je vais me changer, d'accord? Désolé. Chérie? Oui, j'arrive. Change tes vêtements, s'il te plaît. C'est ce que je fais. Ça va maintenant? Tu en es sûr? Ouais, je me suis changé, bébé. Oh, ça sent encore. Peut-être ton donjon. Bébé, je suis désolée. Je sais. Tu veux que je reste nue? Bébé. Oui, mon amour. Je veux manger du riz chinois frit. Du riz chinois? Oui, du riz chinois frit pimenté. C'est tout? Oui. D'accord, je vais t'en acheter. Non, non, je veux que tu le cuisines toi-même. Hein? Mm-hmm.
cuisiner. Oui, bébé. Comment? Tu peux le faire. Je ne sais pas comment. Ah, oh mon Dieu, comment est-ce que je peux savoir comment cuisiner du riz chinois? Bébé, regarde ça sur YouTube. Je veux manger du riz chinois frit. Attends, bébé, si je cuisine ça, tu vas mourir. Je ne peux pas le faire. Je veux manger du riz chinois frit. Je veux manger du riz chinois frit. C'est ça que je veux manger. S'il te plaît, laisse que j'aille. Je ne veux pas. Ok, je veux la viande de brousse. Ok, bébé. Je veux manger la viande de brousse. À 7 heures de la journée? Où vais-je trouver ça, bébé? Tu peux acheter ça partout. Vas-y, tu peux acheter ça partout. C'est ce que je veux manger, j'ai vraiment faim. J'ai un ami à Inogu, je vais l'appeler. Peut-être qu'il pourra... Non, ça va prendre du temps, je veux manger ça maintenant. Où vais-je trouver ça maintenant? Où, bébé? Tu ne m'aimes plus. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Dis-moi autre chose, tu sais que je t'aime. Ok. Ok, t'inquiète, je vais voir. Je vais voir où je peux en trouver. Bébé. Hein? Cuisine. Du risotto. Avec de la tomate fraîche, du risotto pimenté. C'est ce que tu veux. Mm-hmm. C'est ce que tu veux. Je veux que tu cuisines ça pour moi. Pas de problème. Du risotto, c'est ça. Avec du piment. Oui, beaucoup de piment. Beaucoup de piment. Oui. Quoi d'autre dedans? Des ailes de dindon. Le dindon? Ok, pas de problème. Bébé, apporte-moi aussi l'odala avant de cuisiner le riz. L'odala? Oui. Ce n'est pas la saison de l'odala. Où vais-je en trouver, bébé? Je ne sais pas. Cherche-moi ça. Je veux manger. Je veux manger l'odala. Hey! Comment est-ce fini comme ça? Je veux manger l'odala. Ok. L'odala, n'est-ce pas? Pas de problème. D'accord. Les noms mûrs. Les murs? Les noms mûrs. Tout ce que tu verras apporte. Mais d'accord. Je veux les noms mûrs très durs. Le genre qu'on peut me gifler avec. Hey! Ok, d'accord. Je t'apporte ça. Je t'apporte ça. Bébé? Hein? Ok, fais vite, j'ai très faim. C'est ce que je suis en train de faire, non? Aïe! Je suis fichu. J'ai déjà faim, bébé. Je veux manger. Bébé. Je veux manger. Je veux l'odala maintenant. Qu'est-ce que tu as? Hein? Quoi? Hein? Amène-moi à Lupita. Ok, d'accord. Lève-toi, d'accord. Je prends la clé de la voiture. Jacob! Oui, j'arrive! Jacob! Charré! Monsieur!
Ouvre le portail. Monsieur, qu'est-ce qui arrive à madame? Tu es stupide, ouvre le portail. Monsieur. N'importe quoi. Bébé, réveille-toi. Le repas est prêt. Bébé, le repas est prêt, réveille-toi. Réveille-toi. Allez, mange. Tu peux le voir. Allez, c'est prêt. Bon appétit. Régale-toi. Bébé, viens me nourrir, s'il te plaît. Où vas-tu? Que je te nourrisse? Ok, avec plaisir. Tu es mon amour, je ferai tout pour toi, d'accord? Bien sûr, je vais te nourrir. Quoi? Ah, désolé. Bébé, tu as coupé les oignons. Quoi? Oui. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va te laver les mains, s'il te plaît. Allez, va-t'en. Non, 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 va-t'en, va-t'en. Va à la cuisine d'ailleurs, s'il te plaît. Va te laver les mains. Ok, d'accord, désolé. Thank you.
Bébé. Réveille-toi. Tu n'as pas mangé ton repas. Bébé. Hein? Je n'ai plus faim. Allez, mange maintenant. Pourquoi t'as pas mangé? N'étais-tu pas censé me nourrir? Ok. Je ne savais pas. Pas de problème. J'ai faim, moi. C'est bon, je vais te nourrir. Je ne veux plus manger ça. Ok, pas de problème. Je vais Non, je ne veux pas que tu réchauffes. Je ne veux pas de la nourriture réchauffée. Je veux un repas frais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, quel repas frais encore? Je veux un repas de feu. Je ne veux plus manger ça. Voici un repas frais. Je l'ai cuisiné avant d'eux. Je ne veux plus ça. Tu ne m'as même pas acheté l'eau d'Allah. Oh! Qu'est-ce que vous me voulez même? Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer? Hein? Je viens de te faire un repas, tu le rejettes. Et voilà Emmanuel qui est en train de crier. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Allons à l'hôpital, allons à l'hôpital. Et on a couru à l'hôpital. C'était de fausses contractions. Que voulez-vous que je fasse? Hein? Bien, je vais prendre mes clés et partir de cette maison. Je ne reviendrai plus, plus jamais. Je vais vous laisser dans cette maison toutes les trois. Tu ne m'aimes pas, tu me grondes. Bébé, bébé, désolé, je ne te gronde pas. Je te gronde pas. Tu m'as grondé, tu m'as grondé. Bébé, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tu ne m'aimes plus. Je t'aime pas plus. Tu ne m'aimes plus. Regarde-moi. 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 Laisse-moi tranquille. Désolé, bébé, je vais faire un autre repas pour toi. Hein? Regarde-moi, je transpire comme... Ce n'est pas mon problème, c'est toi qui es l'auteur de tout ça. Je sais. Tu m'étais partout, partout, partout. Désolé, mon cœur. Tu es aveugle? Ne vois-tu pas que je suis assise? J'ai dit lève-toi, je veux m'asseoir. Provoque. Stella, est-ce à moi que tu parles? Qui d'autre est devant moi? C'est à moi que Seigneur, tu parles. Seigneur, tu es folle. Tais-toi. Suis-je ton égal? Hey, dans ma maison. Je te respecte. Lève-toi. Dégage. Tu ne vas pas t'asseoir. Hey. Tu ne vas pas t'asseoir. N'as-tu pas vu mes grosses fesses? Mais hein? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Jacob! Jacob! Dégage-toi! Hey, Seigneur! Attends! J'aurai un bébé garçon! Le fils de Jacob va naître! C'est ce qu'on verra. Serait, je te respecte! Hé, hey, hé! Hey, je ne suis pas ta sœur! Je ne suis pas ta sœur et je ne le serai jamais! Oh, mon bébé! J'aurai un bébé garçon! Tu auras un mort-né! Tu auras un mort-né! Mort-né au nom de Jésus! Accoucher. Tu vas mourir! Ensuite, tu vas mourir avec mourir. Ton bébé! Tu vas mourir! Mort-né. Tu vas mourir et je vais te mort-né! Bébé, tu sens comment il donne des coups? Je me sens bien maintenant avec ton parfum. Je savais ce que tu allais dire. Mais tu sais quoi? Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Je sais. Mais écoute, après l'accouchement, on le fera, ok? Ouais, ce qui te rend heureuse me rend heureux. Merci. Merci, bébé. Je t'aime tellement. Moi encore plus. J'ai tellement hâte que notre boule de joie arrive. Ouais. Ce sera un garçon, d'après. Oh oui, peut-être des jumeaux. Vraiment. Un garçon et une fille, et c'est bon. Plus de stress. C'est quoi ces bruits? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces bruits? Hein? Ah, hey, merde, c'est bébé, encore cette bande de... Qui ça? Calme-toi. Je vais devoir régler leur compte. C'est quoi tout ça? Tu auras un mort-né! Tu vas mourir un mort-né! Tu vas mourir! Il va naître un mort-né! Tu vas partir ici! Crois-moi! Hey, tu n'es rien! Stop! C'est quoi le problème? Regarde-moi les Pourquoi problèmes. Tous ces bruits? Tous les voisins vous entendent! Mais c'est quoi tout ça? Parle-lui! Elle me dérange avec son poing! Tais-toi! Tais-toi! Ah ah! C'est cette folle qui a causé tout ça! Hey!
C'est quoi cette malchance? Écoutez, je dois vous parler à toutes les deux. Hein? Vous deux, à l'intérieur. Tu vois ce que tu as causé? Tu vas partir de cette maison. Tais-toi. Tu vas quitter cette maison très bientôt. Tu vas partir et je vais te faire là. Tais-toi. Ne t'en fais pas. Avance. Inutile. Regarde-la avec ses grosses fesses. Tu ne peux pas te respecter. Tu es folle. Petite effrontée. Effrontée. Tu es folle. Tu veux me tenter. Tu veux me faire sortir de la maison de mon mari. Hein? Marche. Ferme-la. Ferme-la. Pour commencer, je ne sais pas de quel genre de famille vous sortez. Et comment vous avez été élevé? On vous a élevé avec des chiens ou des lions. Toujours est-il que je ne comprends pas pourquoi vous ne cessez pas d'aboyer matin et soir. C'est quoi ce genre de nuisance? Hein? Toi, tout ce que je fais, tu cries à longueur de journée, tu ne cesses de te plaindre tout le temps. Ça mérite grave et ça me fait stresser. Je n'arrive plus à supporter ça. Et ta sœur, je crois devoir acheter une société de nourriture. Parce que j'ai fait les assauts aujourd'hui, c'est fini. On va à la cuisine, les provisions sont terminées. Tu manges comme le lapin du matin au soir. Tu manges comme une antilope. Mon bébé doit manger. Tu vas la fermer. Quel bébé? Tu n'es qu'une gloutonne et tu accuses l'innocent bébé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu manges comme un éléphant alors que tu n'achètes rien. Maintenant, écoute-moi. Ce que je ne tolérerai pas, c'est le fait que vous disiez à tous mes voisins que j'ai ramené dans ma maison une nouvelle race mixte de chiens qui ne cessent d'aboyer du matin au soir, comme des Rottweilers. Bon, le jour que vous le faites encore, laissez-moi vous dire, si je vous vois encore faire ça, si j'entends un quelconque bruit, de nouveau dans cette maison, je n'hésiterai pas à vous renvoyer chez vos parents. Eh oui! C'est cette stupide fille qui ne sait pas respecter. Ah, je ne connais pas le respect. Comment ça, je ne connais pas le respect? Bruit. Je ne le supporte pas. Tais-toi, ferme-la pour que je parle à celle-ci. Comment ça, je ne connais pas le respect? Suis-je censée te respecter? Taisez-vous! Bébé, tu n'as pas à t'en faire, ok? Tu as entendu ce que je leur ai dit. La prochaine fois qu'elles feront ce qu'elles ont fait aujourd'hui, je les chasserai. Je les mettrai dehors et je m'en ficherai des conséquences. Super, j'ai entendu ce que tu leur as dit. Mais le truc, c'est que... C'est bon. C'est bon. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Je ne comprends pas. Le problème empire chaque jour. Et... Je suis désolée. Pourquoi? Je suis désolée d'ajouter tes problèmes. Je te dérange toujours. Avec les cris, les pleurs et tout le reste. Bébé. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du bébé. Chérie, je te comprends, ok? Je ne me plains pas. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te rendre. Merci, bébé. Je t'aime aussi, tu le sais. Merci, chérie. Tu es le meilleur. Je sais, t'es la femme la plus belle que j'ai jamais aimée de toute ma vie. Tu es le plus beau. Déjà trop petite pour que tu ne me salues plus. Je dois te voir pourquoi. Hein? Je dois te voir pourquoi quand je cherche ma nourriture. Oh, c'est toi qui as pris la nourriture à la cuisine? Oh. Je vois. Donc tu cherches ta nourriture. Hé. Ella, tu souffres trop. Je t'ai emmenée dans cette maison. Pour changer ta vie. Et tu es allée dans mon dos
couché avec Jacob. Donc, on mange déjà dans la même marmite. Alors, je suis ton égale, n'est-ce pas? Et je suis également enceinte. Comme tu l'es, alors nous sommes égales. Tu as fini? Écoute, ne me touche pas. Je ne te touche pas. Nous sommes égales maintenant. Je ne te blâme pas. Tu sois ma grande sœur, ne veux pas dire que tu dois m'oppresser dans cette maison. Jacob est aussi mon mari. Bon, tu as fini, je peux partir. Tu veux me donner à manger? Tu veux me donner à manger? Ce n'est pas de ta faute. Regarde comme elle crie comme une chèvre. Et n'essaye même pas, oh. N'essaye pas. Je suis enceinte. Je ne sais même pas si c'est la grossesse que tu portes. Moi, je suis vraiment enceinte. Alors, respecte-toi. Je ne te blâme pas. Je blâme Jacob. Parce qu'il ne sait pas garder son machin où il faut. Mm-hmm. C'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Effrontée. Mm-hmm. Je m'en veux de t'avoir emmenée ici. Toi qui m'as trahi. Je comptais prendre soin de toi et changer ta vie. Ce n'est pas de ta faute. La grossesse stresse, je peux voir ça. Courage. Ce n'est pas facile. Va te dégager d'ici. Allez, dégage d'ici. C'est Jacob. Maintenant, on mange dans le même plat. Viens. Viens là, Stella. Mm-hmm. Laisse-moi te demander, pourquoi m'as-tu trahi? La raison pour laquelle tu as couché avec Jacob, c'est la même raison pour laquelle je suis là. Idiote, voleuse de mari. Mais suis autant que tu... N'importe quoi, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, je ne te blâme pas. Nous mangeons maintenant dans la même marmite, tu crois que je suis ton égale? N'importe quoi, quand tu me suppliais, regarde-moi ça. Quand je pense que je voulais t'aider, je vais te traiter. Cette maison ne va pas nous contenir, je vais te traiter. Tu sais très bien qui tu as affaire, déchet, idiote. Si tu n'étais pas ma sœur, je t'aurais tué. Fille inutile, nous mangeons maintenant dans la même marmite, tu crois que je suis ton égale? Qui a pris le repas que j'ai gardé à la cuisine? Le repas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Qui a pris le repas que j'ai gardé à la cuisine? Je n'ai pris aucun repas. Tu sais que je ne suis pas gloutonne. Va donc demander ton repas où il est. Ne m'énerve pas. Je vous ai dit à toutes dans cette concession que je ne blague pas avec ma nourriture. Je ne blague pas avec ma nourriture. Alors si c'est toi qui as pris ma nourriture à la cuisine, va la remettre là-bas. S'il te plaît, peux-tu t'éloigner? Je n'aime pas l'odeur du parfum que tu portes. Éloigne-toi. Ma fragrance sent mal. Ok, je viens là-bas, tu vas vomir. Pardon. Ne viens pas. S'il te plaît. Où est donc ma nourriture? Je n'ai pas pris ta nourriture. Va la chercher à la cuisine, s'il te plaît. Merci, vas-y. Je suis sûre que c'est toi qui as mangé ma nourriture. J'ai envie de vomir. Éloigne-toi. Pardon. Reviens. Eh oh, viens là. Où est ma nourriture? Comment es-tu venue dans cette maison? Pose cette question à Jacob. C'est quoi ce genre de parfum? Hein? Ha! Quel horrible parfum! Au charret. Madame? Tiens, achète-moi des arachides pour que je fasse du tapioca. Pour que je puisse me préparer un bon repas. Ok, madame. J'achète pour combien? Utilise tout cet argent pour acheter les arachides là-bas. D'accord, pas de souci. Madame, vous savez que normalement, ils vendent des arachides grillés. Ils vendent ce qui est frais et ce qui est bouilli. J'achète lequel? C'est quoi cette question stupide, ça? Quand on trempe le gari dans ton village, on utilise quel genre d'arachides? Madame, pour utiliser toutes les variétés. Vous comprenez, vous pouvez utiliser toutes sortes de... Pars de là, il va m'acheter les arachides. D'accord, madame. Calmez-vous, madame. Si tu veux, ne m'achète pas de bons arachides. Tu vas manger ça toi-même. Eh, madame. Kate, va m'acheter les arachides avant que je ne m'évanouisse ici. Foutaise.
dont tu voulais dormir là-bas. Hein? Stupide gardien. C'est quel genre d'arachide, Sanor? C'est ce que je t'ai demandé de m'acheter. Comment vais-je faire ces arachides avant de boire le gari aujourd'hui? Madame, mais j'ai acheté ce que vous m'avez là-bas. Maintenant que j'ai acheté ça, vous refusez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Prends ces arachides et va les décortiquer. Que se passe-t-il là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Espèce de fausse madame. C'est pour ça que tu crées comme ça? Ferme ta bouche, qu'est-ce qui se passe? Enchaîne, qu'est-ce qui se passe ici? Madame, votre petite sœur m'a demandé d'aller lui acheter des arachides. Maintenant que j'ai acheté les arachides, elle commence à se plaindre. Je ne comprends pas ce qu'il lui a. Donc c'est moi que tu grondes comme ça? Désolé, je ne vous criais pas dessus. Hein? Enchaîne! Madame. Enchaîne! Madame. Enchaîne! Madame. Combien de fois t'es appelée? Tu vas me décortiquer ces arachides. Ok, écoute-moi. Je suis la seule madame qualifiée pour qui tu es censée faire des courses. Toute autre madame qui prétend être une madame est une fausse madame. Est-ce que c'est clair? J'ai compris. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, madame. Donc, Oshare, tu veux perdre Oshare, ton si tu prends ces arachides. Arachides et valets. Oshare! Qu'est-ce que tu fais? Essaye, pouvoir. C'est la seule madame dans cette maison dont tu veux perdre ton boulot. Allez, prends-moi ces arachides. Oshare! Si tu prends ces arachides, tu vas perdre valets ton travail. Tu vas perdre ton travail. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vas perdre ta vie. Oshare, ne me tente pas. Oshare, va décortiquer ces arachides. Si tu touches ces arachides, je te respecte. Touche ces arachides. Vos problèmes. Oshare, reviens ici. Vos problèmes cassent la tête. Respecte-toi, oh. Donne-les-moi. Tu te proclames madame et tu ne te respectes pas. Donne-moi tes arachides. Donne-moi, t'inquiète. Fausse madame. Foutaise. Qu'est-ce que. Ok, d'accord. Je vais te rappeler. Je te rappelle, d'accord? Bébé, qu'est-ce que tu as? Parle-moi, bébé. Tout ça à cause de toi. À cause de toi, cette stupide courte vie m'a insultée à cause de la nourriture. Bébé, on en a déjà parlé. Voyons, tu n'as pas rejeté tout le tort sur moi. Tu n'as pas rejeté toute la faute sur moi si tu n'étais pas allé comme tu l'as fait. Tout ceci ne serait pas arrivé. Mais oui, c'est vrai que je regrette tout ce que j'ai fait. Je t'ai déjà supplié tant de fois pour ce que j'ai posé comme action. Mais je te promets une chose. Dès qu'elles se libèrent, je veux dire dès qu'elles accouchent, je récupère mes bébés, elles s'en iront. Je te promets cela. Je te jure. Tu en es sûr? Je te jure, mon cœur. Parce que je n'arrive plus à les supporter dans cette maison. Surtout celle qui est courte là. Elle m'insulte à la moindre occasion pour de la nourriture. Tu sais que je n'aime même pas manger. Elle portait même un sale horrible parfum avec son affreuse fragrance. C'est bon, bébé. J'ai failli vomir. Je ne l'aime pas du tout. Elle est trop courte. Désolé, mon amour. Chaque fois que tu prends cette herbe d'odeur, tu me fais sourire. Ok. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime aussi. Bébé, allez. Où est ta bague? Bébé, je l'ai enlevée. Elle me démangeait. Tu sais que j'ai pris beaucoup de poids et mes doigts ont grossi. Elle me serrait. J'ai donc dû l'enlever. Je sais reconnaître une menteuse quand j'en vois une. Bébé, je ne mens pas. Je sais reconnaître une menteuse quand j'en vois une. Bébé, je ne mens pas. Es-tu sûre? Oui, je suis sûre. Bien, tu dis que tes doigts ont grossi. Et moi, je vois que tes doigts deviennent encore de plus en plus beaux. Mmh. Ouais. Merci, chérie. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Excuse-moi. C'est quoi ces tourments? Mon mari partage maintenant son attention. Je n'aime pas ça. Je veux toute son attention pour moi.
C'est à cause de ces filles stupides et sorcières. Une ménagère. J'ai plutôt emmené quelqu'un que je croyais qu'elle était ma sœur. Dans cette maison. Et elle est venue prendre mon propre mec. Ah! Je vais lui faire la peau dans cette maison. Je vais la frustrer dans cette maison. Stupide fille. Stella. Dans cette maison, dans ma propre maison. Comment ai-je pu avoir une sœur aussi inutile que la mienne? Ok, qu'elle ne s'en fait pas. Elle mourra avec ce bébé. Madame, je vais aller me servir, j'ai faim. Il faut que je mange. J'ai fait trop de courses pour madame aujourd'hui, franchement, j'ai faim. Il faut que je mange. Tu veux aller te servir à manger? Oui. Ok, vas-y. D'accord, merci madame. Reviens là, idiot, reviens là tout de suite. N'importe quoi. Tu veux manger? J'ai demandé de dégager. Idiot. Je suis la femme originale. Les autres sont des photocopies. Bêtises. Aïe! Madame, je vous en supplie. Je vous en supplie, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens vous supplier. Je suis avec vous. Vous comprenez, je suis avec vous. Peu importe ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Et oui, je ferai n'importe quoi. C'est vous la madame de cette maison, c'est vous la patronne. Vous comprenez, je vais vous obéir, je vais vous respecter. Pardon, je vous en supplie, il faut que je mange, il faut vraiment que je mange. Oui, madame, il faut que je mange. D'accord alors, mets-toi à genoux. Que je mette à genoux pour la nourriture? J'ai dit, mets-toi à genoux, à genoux. Les mains en l'air. Des petites instructions, tu ne vas pas m'obéir. Vous fâchez pas, madame. Vous fâchez pas. Tu dis que tu veux manger. Oui, je veux manger. Ok, d'accord. Alors, es-tu prêt à me considérer comme l'unique madame de cette maison? Madame, je vous ai reconnu depuis. C'est moi qui l'ignorais, moi je vous ai reconnu. Oui, je sais que vous êtes la seule madame de cette maison. Oui, je sais que vous êtes la seule madame. Je suis l'unique madame, la madame originale. Tu vois ma stupide de sœur, oui, madame. Stella. Oui, je vois. Le jour qu'elle t'envoie quelque part, okay. Et tu y vas. Madame, je n'irai nulle part. Je n'irai jamais. Jamais. Vous êtes la seule, madame. Vous êtes la seule personne qui peut m'envoyer ici et je pars. Ah, oh, okay. Personne. Mm-hmm. Personne d'autre dans cette maison ne peut me demander de faire quelque chose. Je le fais, madame. Tu peux le redire encore. Vous êtes l'original, la copie originale. La copie originale. Tu peux le redire encore. Vous n'avez pas de photocopie. Vous êtes la copie originale. Appelle-moi la madame originale. Vous êtes la madame originale qu'on a dans cette maison. Mm-hmm. Vous êtes la madame originale qu'on a dans cette maison. Tu vois celle qu'on appelle Chelsea? Oui, madame. Celle qu'on appelle Chelsea? Oui, madame. Le jour qu'elle t'envoie quelque part. Madame, si je n'irai pas. Je n'irai nulle part. Ok. Elle n'est personne ici. Ah, madame, je n'irai pas. Vous savez, madame, vous êtes la seule vraie madame dans cette maison. C'est vous la grande madame de cette maison. Si. Oui. C'est vous la madame originale de cette maison. D'ailleurs, cette maison est à vous. Oui. Vous comprenez? Écoutez, vous êtes la préférée de monsieur. Vous comprenez ça?
Voilà. Dis-le encore. Le patron vous aime plus que toutes les autres. Encore. Oui. Parfois, il me dit que vous êtes la seule femme qu'il aime. Oui, c'est ce qu'il me dit très souvent. Il me dit que vous êtes la seule femme qu'il a toujours aimée. Oui. Ton boss t'a dit ça? Oui, oui, madame. Hey, Jacob. Ok. Oui, madame. Bon garçon. Merci, madame. Lève-toi. Merci, madame. Ah, merci. Écoute, juste parce que tu es humble, oui, madame. Je te donnerai à manger le matin, dans l'après-midi et même le soir. Je te réveillerai même à minuit pour que tu manges. Ah, écoutez, madame, je serais tellement heureux. Ah, qu'est-ce que je vais encore demander? Mais le truc est qu'il n'y a pas à manger dans cette maison. Non, il n'y a plus rien. Mais je pense que j'ai un peu d'argent là, attends. Tiens, prends ça, va manger. Ne t'en fais pas. Le temps pour toi de revenir, ton plat sera déjà prêt. Tu auras Que je fais pour cet argent? Tu vérifies l'argent. Madame, madame. Si seulement tu pouvais savoir où j'ai pris ce billet. Bien d'autres. Ah bon? Viendront. Pas de problème, madame. Ok. Merci, madame. Roya, tu peux partir. Mon Dieu. Ouais. Je vais me gaver aujourd'hui. Je vais vraiment me gaver. Je suis la madame originale. Les autres ne sont que la photocopie. Anniversaire, bébé. C'était horrible. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon amour. Merci, chérie. C'est pour moi? Ah, le cadeau d'abord. D'abord. Je suis enceinte de 2 mois. C'est vrai. Attends, c'est vrai? Oh. Est-ce que c'est vrai? Bébé, c'est vrai, je suis enceinte de 2 mois. Attends, bébé. Dis-moi que tu... Pas du tout. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.